وَمَا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alors aujourd'hui on va commencer une nouvelle rubrique ou plutôt deux nouvelles rubriques toujours dans le chapitre de l'Iman, le deuxième chapitre de Sahih al-Bukhari. Donc dans la première rubrique, l'imam al-Bukhari rahimahullah dit « Babu al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadih » Ensuite il dit « Haddathana Adam ibn Abi Iyas qala haddathana Shu'bah an Abdillah ibn Abi Safar wa Ismail an al-Sha'bi an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadih » والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر عن قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي والباب الثاني donc l'autre rubrique cinquième يقول البخاري رحمه الله باب أي الإسلام أفضل حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. Donc la quatrième rubrique, l'imam Bukhari dit rubrique: le vrai musulman est celui dont les musulmans sont en sécurité du mal de sa langue ou de sa main. Dixième hadith, d'après Abdullah ibn Amr, donc Ibn Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman est celui dont les musulmans sont en sécurité du mal causé par sa langue ou de sa main. L'émigrant est celui qui s'éloigne de ce que Dieu a interdit. Le chapitre, ou bien la rubrique 5, l'imam Bukhari dit « Quel est le meilleur islam ?» Et le 11e hadith, d'après Abu Burda, Abu Moussa, donc il fait référence à Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, a dit « On interrogea le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager de Dieu, quel est celui qui a le meilleur islam ?» Il répondit « C'est celui dont les musulmans sont en sécurité du mal, pouvant être causé par sa langue ou par sa main. » Donc comme vous voyez, le deuxième hadith, c'est-à-dire le 11e dans la série, il est très proche du premier parce qu'il reprend la première partie du hadith numéro 10. Voilà pourquoi je les ai mis les deux ensemble, puisqu'ils auront la même signification. Sauf qu'en guise d'introduction, on va voir un aperçu sur la biographie de Abdullah ibn Amr du premier hadith. Et on ne va pas voir la biographie du rapporteur du deuxième hadith, à savoir Abu Moussa al-Ash'ari. Peut-être on le laissera pour une autre occasion, inshallah, pour ne pas alourdir la séance. Donc Abdullah ibn Amr. Qui est Abdullah ibn Amr? Donc il fait partie de l'Abadil al-Arba'. Lorsqu'on a parlé des quatre Abdullah, on a dit Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn al-Zubayr et Abdullah ibn Amr. Donc voilà, voici un de ces quatre. Donc lorsqu'on dit ibn Amr, ça veut dire le fils de Amr, et lui-même fils de Al-As. Donc Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Lui était musulman, et son père Amr ibn Al-As était aussi musulman. Il est le fils de Raïta bintu Munabbih. Et à sa naissance, il s'appelait Al-As. Comme le nom de son grand-père. Son grand-père donc s'appelait Al-As. Al-As, la signification, c'est le désobéissant. Donc ce n'est pas un bon prénom, le désobéissant. Et c'est pour cela qu'on dit que lorsqu'il s'est converti à l'islam, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a changé le nom. Il lui a dit à partir de maintenant, on va t'appeler Abdullah plutôt que Al-As.
Il est né 27 ans avant l'Hégire. Et certains disent que son père était plus âgé que lui de 12 ans seulement. Ça veut dire que ça suppose que son père s'est marié à 11 ans. Et certains savants disent non, ça c'est trop exagéré. Il y a certains qui disent qu'ils avaient 20 ans de différence. Parce que quand même lorsqu'on lit la biographie de son père, Amr ibn al-As, on voit que pendant longtemps il était chef de certaines armées musulmanes. Donc ça veut dire qu'il avait encore sa force et il était un bon guerrier. Donc il avait encore de la force. Donc on va dire entre 12 et 20 ans. Mais 12 c'est trop exagéré pour beaucoup de savants, ils disent que c'est le cas. Donc lui il est né 27 ans avant l'Hégire. C'est quelqu'un qui a appris à écrire et à lire l'arabe et aussi la langue syriaque. Et c'est pour cela qu'il écrivait le Coran et écrivait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le verra. Et il lisait, il maîtrisait la Torah, il connaissait les enseignements de la Torah. Il a émigré à Médine et où il a embrassé l'islam en l'an 7 de l'Hégire. Donc il n'a pas, s'est pas converti à l'islam très tôt, mais en tout cas il s'est converti à l'islam avant la conquête de la Mecque. Et sa conversion donc s'est faite un an avant la conversion de son père Amr ibn al-As. On aura l'occasion de parler de Amr ibn al-As parce que c'était un chef, faisait partie des chefs de Qurayshites et parmi les riches des Qurayshites parce qu'il était un grand commerçant. Et c'était quelqu'un très connu pour ses ruses. On le considérait comme parmi les plus rusés des Arabes, Dahiyatul Arab. Pas que dans le sens négatif du terme, parce que ces ruses vont servir énormément les musulmans plus tard. Et c'était un politicien très fin, très 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 intelligent. Et donc il a beaucoup appris de son père, sauf que leur tempérament n'était pas le même, et leur centre d'intérêt n'était pas le même, comme on va le voir. Abdullah, au niveau de sa description, c'était quelqu'un de très grand. Il avait un visage rougeâtre, on disait qu'il avait des chevilles très épaisses, et il avait un corps corpulent et un ventre bien prononcé. C'est comme ça qu'on l'a décrit. Et à la fin de sa vie, il a été touché par la cécité, donc il était devenu aveugle, et c'est ainsi qu'il a terminé sa vie. Abdullah ibn Amr, dès qu'on le cite, on voit quelqu'un qui était complètement détaché des jouissances mondaines. C'était quelqu'un qui se préparait pour l'au-delà, un grand adorateur, un grand ascète, et très appliqué et très assidu dans les prières, dans la lecture du Coran et dans le jeûne surérogatoire, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était souvent obligé de l'appeler à la modération, tellement il exagérait dans l'adoration. Et d'ailleurs, dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, selon plusieurs versions, il a été dit que Amr ibn al-As a marié Abdullah, son fils donc, à une femme d'une grande famille. Et quelques semaines après, donc son père, il venait voir la femme et lui disait alors comment tu trouves ton mari, en parlant de son fils, parce qu'il connaissait très bien son fils. Et ça c'est après sa conversion à l'islam. Et lui a dit, Wallahi, ni Amr, Abdullah, c'est quelqu'un de très pieux, c'est un très bon musulman. Il passe sa nuit à prier, et il passe sa journée à jeûner. C'est quelqu'un de très bien. Mais il a insinué quelque chose. Dans d'autres versions, il lui a dit, jusqu'à maintenant, il n'a jamais eu de rapport avec moi, de rapport conjugal avec moi, depuis qu'on s'est marié. Et c'était une longue période après leur mariage. Et donc c'est là où son père est allé le voir pour s'enquérir un petit peu de la raison, et il a remarqué que c'était quelqu'un qui passait tous les jours à jeûner et les nuits, une grande partie de la nuit, à prier ou bien à lire le Coran. Et donc lui-même, il rapporte, il dit, le messager d'Allah fut informé que j'avais dit, par Allah, je jeûnerai le jour et je veillerai la nuit aussi longtemps que je vivrai. Donc là, c'était comme un nadr, un engagement de sa part. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant entendu cela, il demanda à le voir. Et dans d'autres versions, c'est son père qui est allé se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que faisait son fils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ramène-le-moi. Et son père est allé avec lui jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a questionné, lui a dit,
Es-tu celui qui a dit cela, c'est-à-dire que je vais jeûner tout le temps et que je vais passer toutes les nuits à prier? Je lui ai répondu, je l'ai effectivement dit. Que mon père et ma mère te soient offerts en sacrifice. Il lui répliqua, tu n'en seras pas capable, tu ne seras pas capable de tenir cet engagement. Jeûne et romps, jeûne quelques jours et arrête certains jours. Prie et dors, jeûne 3 jours par mois. Et en général, ça, c'est les jours blancs, donc le 13e, le 14e et le 15e jour du mois lunaire. Jeûne 3 jours par mois, en effet, la bonne action est décuplée et ainsi cela équivaudra au jeûne de toute l'année. Si tu jeûnes 3 jours par mois, la récompense est multipliée par 10, c'est comme si tu as jeûné 30 jours par mois. 30 jours par mois, donc ça veut dire que tu as jeûné toute l'année. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait justement à la modération. J'ai rétorqué, je suis capable de mieux que cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, jeûne un jour et rends 2 jours. Allez, si tu veux. Un jour tu jeûnes et 2 jours tu rends le jeûne. Il lui a dit, je suis capable de mieux que cela, répondis-je. Alors, jeûne un jour et rends 1 jour. Tel est le jeûne de Daoud, alayhi salam, et c'est le meilleur des jeûnes. Donc, plus que ça, c'est trop. Et Abdullah ibn Omar lui dit, je suis capable de mieux que cela. Et j'ai insisté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, il n'y a pas mieux que cela. Il dit, un jour tu jeûnes et un jour tu rends le jeûne. Donc c'est pour vous montrer son insistance, tant qu'il ressentait qu'il avait de la capacité à faire la prière la nuit et à jeûner, donc il voulait aller encore plus loin. Et ayant appris que, par ailleurs, ayant appris que Abdullah observait une adoration excessive au point de faillir à certains devoirs conjugaux, et c'est à cela que je faisais allusion tout à l'heure, son père se plaignit lui aussi auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ya Abdullah, prie et dors, jeûne et mange, obéis à ton père. Et dans d'autres versions, il lui a dit, inna li badanika alayka haqqa, ton corps a un droit vis-à-vis de toi, ta femme a un droit sur toi, inna li zawayika alayka haqqa, tes visiteurs ont un droit sur toi, fa a'tali kulli haqqin haqqa, donne à chacun le droit qui lui revient. Donc tu dois distribuer les heures de ta journée en donnant le droit à chacun. Alors que lui, c'était que la prière et le jeûne. Et cette phrase-là va jouer un rôle important puisque à la fin, il lui a dit « Wa ati' abak » puisque c'est son père qui l'a ramené. Il lui a dit « Obéis à ton père ». Et ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam va jouer d'une manière importante, je vais le citer tout à l'heure. Abdullah radiallahu anhu a appris le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna l'autorisation de recueillir par écrit ses hadiths. Rappelez-vous, on a parlé de ça dans la grande introduction de ce cours. C'est pour cela que Abu Huraira lui-même disait, personne ne rapportait autant de hadiths que moi, si ce n'est Abdullah ibn Amr, car il écrivait alors que je ne le faisais pas. Donc là, une preuve encore. Abdullah, donc il pouvait écrire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait autorisé, ce qui montre que l'interdiction qu'avait faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam au départ n'était de rapporter sur, enfin, d'écrire les hadiths sur lui, n'était qu'une interdiction limitée dans le temps pour ne pas que les compagnons mélangent entre le Coran et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abdullah ibn Amr à ce sujet, il dit lui-même, j'avais pour habitude d'écrire tout ce que j'entendais du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je voulais l'apprendre. Les notables de Quraysh m'ont alors blâmé pour cela et m'ont dit, tu écris. Alors lorsqu'ils parlent des notables de Quraysh, les musulmans parmi eux bien entendu. Donc les notables de Quraysh m'ont blâmé pour cela et m'ont dit, tu écris tout ce que tu entends du prophète, alors qu'il est avant tout un homme. Il peut tenir des propos sous l'effet de la colère ou de la joie. J'ai alors informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la chose et il m'a dit, écris, Oktub, écris par celui qui détient mon âme dans sa main. Il ne sort de ma bouche que la vérité. Donc là, il lui a donné l'autorisation d'écrire. Et c'est ainsi que Ibn Omar a rédigé un petit livret, plusieurs feuillets, dans lequel il recueillait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même, il sortait ce livre-là pour l'enseigner, enseigner ce qu'il y avait dedans. Et il l'appelait As-Sahifa As-Sadiqa. As-Sahifa As-Sadiqa. Donc le livre véridique. Et il a écrit dedans à peu près 1000 hadiths qu'il a rapportés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière écrite du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc d'où la preuve que la sunna était transcrite par écrit du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 1000 hadiths.
Et une bonne partie de ces hadiths, une grande partie de ces hadiths, pas tous, a été écrite dans le musnad de l'imam Ahmad. Et ça, on l'a déjà dit. Alors, comme je disais, il maîtrisait la langue syriaque, ce qui lui a permis de lire la Torah et de la maîtriser. Et une fois, on lui a posé la question, est-ce qu'il y a dans la Torah des textes ou bien des passages qui annoncent l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui le décrivent? Et il lui a dit, oui, il y en a. Et il a commencé à réciter certains passages de la Torah où on citait certaines caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même des passages qui ressemblaient beaucoup à des passages coraniques. Il a participé, radiyallahu anhu, à la conquête de Sham, de Syrie, entre autres. Il portait le drapeau lors de la bataille de Yarmouk, en l'an 15 de l'Hégire. Il a participé à la conquête de l'Égypte en compagnie de son père, Amr ibn al-As. Donc Amr ibn al-As, pour les Égyptiens, c'est quelque chose, parce que c'est lui qui a conquis l'Égypte. Et d'ailleurs, il faisait partie d'un pacte de paix que Amr ibn al-As, que son père a signé avec le Muqawqis. Le Muqawqis, c'est le gouverneur de l'Égypte. Et le Muqawqis, donc, c'était des chrétiens, mais eux, ils étaient justement colonisés par les Byzantins, par Héraclius, dont on a parlé. Et les musulmans n'étaient pas très nombreux, leur armée n'était pas très grande, et malgré ça, donc, ils ont triomphé des Égyptiens qui se sont retranchés dans un fort. Et les musulmans les ont encerclés entre 6 et 7 mois. Ils les ont encerclés, donc ça a duré très longtemps. Et Héraclius, il envoyait des messages à le Muqawqis pour lui dire « Sortez tous pour les combattre ». Et le Muqawqis lui dit « Mais ils sont très forts, on n'arrive pas à résister devant eux ». Et donc à la fin de cette affaire, le Muqawqis a capitulé et donc il a accepté de signer un pacte de paix avec Amr ibn al-As. Et donc, selon ce pacte de paix, le Muqawqis a dit « Je suis prêt à donner le jizya, à payer le jizya ». Donc, on ne veut pas choisir l'islam, mais promettez-moi déjà qu'il n'y aura pas de guerre, et promettez-moi que nous pouvions rester musulmans. Et il lui a même dit « Promettez-moi que si je meurs, qu'on m'enterre à côté de l'église un tel et tout ». Et Amr ibn al-As, il a dit « Oui, parce que nous, on vous donne le choix, soit de choisir l'islam, soit de donner le jizya ». Et le jizya, c'est comme l'équivalent de zakat pour les musulmans, parce que c'est avec cette jizya-là que les musulmans vont gérer les affaires de l'État et vont défendre l'État contre l'invasion. Et quelque part, plusieurs récits disent que les Égyptiens à l'époque voulaient justement se libérer de la colonisation des Byzantins. Parce que même idéologiquement parlant, même eux, leur vision du catholicisme, même par rapport à la notion de Jésus qui est les, tout ça, la Trinité, tout ça, ils avaient une vision différente des Byzantins. Et c'est ce qui a poussé Héraclius, comme on l'a dit la dernière fois, avec certains chefs chrétiens, de vouloir réunir toute l'église de l'Orient selon une nouvelle conception se rapportant à l'identité de Isa alayhi salam. Alors, il était parmi aussi les chefs des conquêtes du nord de l'Afrique, donc il est parti en Tunisie et autres, à côté de Abdullah ibn Abi al-Sarh. En l'an 28 de l'Hégire, il a conquis Chypre, Qobros, en compagnie de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et c'était parmi les premières fois où les musulmans, l'armée musulmane a pris la mer pour aller conquérir un pays lointain. Et c'était Muawiyah qui insistait là-dessus. Tout à l'époque de Abu Bakr, de Omar, les khalifs, ils avaient peur de conquérir au-delà de la mer. Et c'est Muawiyah qui a insisté à l'époque de Uthman ibn Affan de lui donner l'autorisation de construire des navires pour construire une armée navale. Et l'autorisation lui a été faite et c'est comme ça qu'il a conquis l'île de Chypre. Donc Chypre était musulmane pendant une longue période. Abdullah aussi a participé à la bataille de Siffin qui a opposé Ali ibn Abi Talib et Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhuma en l'an 37 de l'Hégire. Et c'est là où Abdullah ibn Amr ne voulait pas lui participer à cette bataille. Il a dit, je ne veux pas combattre un clan musulman. Et c'est là où son père, Amr ibn al-As, parce que Amr ibn al-As était très proche de Muawiyah, c'était même son conseiller, son bras droit. Et Amr, il est venu chez son fils, donc chez Abdullah, et lui a dit, rappelle-toi du conseil que t'a donné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il t'a dit, ati'abak, obéis à ton père.
Alors, je vous avais dit tout à l'heure de vous rappeler de cette phrase. Obéis à ton père. Et donc moi, je te demande de participer à cette bataille. Donc quelque part, Abdullah a été gêné, vu ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a accepté. Sauf, donc, la responsabilité qu'il avait dans la guerre, c'est de porter l'étendard dans le côté droit de l'armée. Et il a fait exprès justement de prendre l'étendard pour ne pas tirer une flèche et pour n'affronter aucun musulman. Et c'est ce qu'il a fait. Pendant toute la bataille, il n'a pas pris l'épée et il n'a pas tiré de flèche. Donc quelque part, c'était une participation presque symbolique, mais malgré cela, plus tard, il l'a regretté. Et même pendant la bataille, lorsque Ammar ibn Yasir a été tué, c'est là où des musulmans se sont rappelés d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Ammar ibn Yasir taqtuluhu al-fi'atul bariya. Ammar sera tué par le clan qui aura tort. Et donc lorsque Ammar faisait partie du clan de Ali ibn Abi Talib, donc lorsqu'il a été tué, là beaucoup de gens donc ont capitulé, ils ont dit ben voilà ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le clan transgresseur qui a tué Ammar, ça veut dire le clan transgresseur, c'est celui de Muawiyah. Et donc Abdullah ibn Amr est allé chez son père et lui a dit ben voyez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit que Ammar sera tué par le clan qui aura tort. Donc vous avez tort, nous avons tort. Et son père, il était gêné. Et il a dit à Muawiyah, lui dit regarde ce que dit mon fils. Et il dit que nous avons tort parce que Ammar a été tué par les nôtres. Et Muawiyah, lui aussi, il était intelligent. Il lui a dit mais c'est pas nous qui l'avons tué. Qui l'a fait venir jusqu'à cette bataille? C'est Ali ibn Abi Talib qui l'a ramené dans cette bataille. Donc c'est eux qui étaient la cause de sa mort. D'accord? Donc c'est nous qui avons raison. Et c'est eux qui l'ont ramené pour faire cette mort-là, pour mourir ainsi. Mais malgré ça, Abdullah a regretté d'avoir participé, même symboliquement, à cette bataille. Il a toujours regretté. En l'an 41 de l'Hijr, Abdullah fut nommé par Muawiyah comme gouverneur de l'Koufa, mais pour une courte période. Et ensuite, après la mort de Amr ibn al-As, qui était le gouverneur de l'Égypte, parce que c'est lui qui l'a conquise, Muawiyah a nommé son fils, donc Abdullah ibn Omar, pendant 2 ans. Et donc il est devenu le gouverneur de l'Égypte pendant 2 ans. Et c'est là où il a construit une école, l'école théologique de l'Égypte, c'est là qu'il a construite. Il a commencé à donc transmettre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à donner des fatawas. Dans la mosquée qu'on a nommée la mosquée de Amr ibn al-As, elle existe jusqu'à maintenant, la mosquée de Amr ibn al-As, Al-Fustat. Et c'est dans cette mosquée-là qu'il donnait les fatawas et qu'il lisait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Muawiyah était mort, donc c'est son fils Yazid qui a pris le pouvoir, et là, Abdullah n'était pas forcément d'accord avec le pouvoir de Yazid, et là il s'est retranché quelque part de la vie publique et des responsabilités, et il s'est réfugié à Asqalan. Asqalan, ça se trouve en Palestine. Pour ça, lorsqu'on parle de Ibn Hajar al-Asqalani, d'ailleurs un des commentateurs de Sahih al-Bukhari, donc lui, il est de Asqalan, de cette ville-là. Donc c'est là où il s'est réfugié. Et pour certains, c'est là où il a terminé sa vie, mais à ce sujet-là, il y a eu beaucoup de divergences. Concernant les hadiths rapportés par Abdullah, ils sont au nombre de 700. Donc on a dit que dans Sahifa As-Sadiqa, il a répertorié 1000 hadiths, mais on n'a pas retrouvé toute cette sahifa. Mais plusieurs des hadiths qu'il a répertoriés dans cette sahifa, il les a transmis à des élèves, et ça a été transmis à leurs élèves, jusqu'à ce que Ahmed ibn Hanbal répertorie tout ce qui lui est arrivé dans le musnad, dans son musnad. Mais il n'a pas trouvé les 1000. Mais donc ce qu'on rapporte aujourd'hui sur lui, c'est 700 hadiths. Il y a 7 hadiths à propos desquels le Bukhari et Muslim se sont accordés, 8 hadiths rapportés exclusivement par l'imam al-Bukhari et 20 hadiths rapportés exclusivement par Muslim. Les autres hadiths sont rapportés dans les autres livres de Sunan. Concernant la date et l'endroit de sa mort, là, il y a une grande divergence entre les savants. Certains disent qu'il est mort en l'an 63 de l'Hijr, d'autres disent 65 et c'est ce qui revient le plus. D'autres disent c'est 67 de l'Hijr, d'autres disent 73 de l'Hijr. Même certains disent qu'il est mort plus tard à l'âge de 93 ans, mais là c'est très rare ceux qui ont dit ça. Et concernant le pays, comme il s'est retranché de la vie sociale, donc c'est pour cela qu'on n'a pas un récit très exact où il est mort. Donc certains disent qu'il est mort en Égypte, certains disent non en Palestine, à Asqalan, certains disent à la Mecque et certains même disent à Taïf. Il avait plusieurs élèves.
et parmi lesquels deux qui sont les plus connus, il y a Saïd ibn al-Musayyib, un grand jurisconsulte, et Tawus ibn Kisan, rahimahumallah. Donc voici un aperçu de la biographie de ce grand compagnon. Alors revenons maintenant au hadith, à l'énoncé du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadih wal-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. » Le musulman est celui dont les musulmans sont en sécurité du mal causé par sa langue ou sa main, et l'immigrant, c'est celui qui s'éloigne de ce que Dieu a interdit. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le musulman, el muslimo, avec le déterminant el, le musulman. Le déterminant el, signifie la complétude. Yudhkaru lil kamal. Lorsque se dit ar-rajul, le vrai homme, donc se dit l'homme, c'est celui qui. Donc là, c'est pour montrer l'homme qui a justement de l'honneur, c'est celui qui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, donc, en utilisant ce déterminant, donc, il montre que cela signifie que. Le musulman complet, le musulman qui respecte les principes de l'islam, c'est celui qui, donc la fin du hadith. Mais bien entendu, il faut pas comprendre le hadith dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le musulman c'est seulement, ou là c'est uniquement celui dont les gens sont en sécurité du mal causé par sa langue et sa... Non, bien entendu, il y a des priorités, il y a d'autres choses, il y a déjà les devoirs envers Allah Azza wa Jal. Avant les devoirs envers les autres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc par là, il insinuait que le meilleur musulman, c'est celui qui respecte les droits de Dieu et en plus de cela, les droits des gens. Et parmi ces droits, c'est de ne pas porter mal ni par la langue ni par la main aux autres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par cette formulation, il voulait mettre en exergue cette dernière qualité, c'est-à-dire respecter les droits des autres et ne pas leur nuire par la main ou par la langue. Tandis que la question de le respect des droits de Dieu, ça c'est une évidence. Et cette manière de parler, cette syntaxe-là, on parle de at-tanbihu bil-adna 'ala al-a'la. At-tanbihu bil-adna 'ala al-a'la. Attirer l'attention par le plus bas sur le plus haut. Le plus bas, donc c'est ça, c'est de ne pas toucher les gens, faire du mal aux gens par la langue et par la main. Mais tu es en train de dire, en plus, de respecter les droits d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est quelque chose d'évident. Et bien entendu, celui qui respecte les droits des gens, forcément, il va respecter aussi le droit de Dieu, parce que c'est par peur d'Allah Azza wa Jal qu'il a respecté les droits des gens. Le meilleur donc musulman est celui qui ne porte pas du mal aux autres, ni par sa langue, ni par sa main, de sorte que les gens se sentent en sécurité de lui ou devant lui. Alors dans ce hadith-là, au niveau maintenant rhétorique, vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé un système où il y a un jeu avec les mots, si on ose dire. Al-Muslim Salima. Vous voyez que c'est la même racine. Muslim Salima. Le Muhajir Hajara. Donc, vous voyez, c'est la même racine étymologique. Et ça, dans Ilm al-Badi', parce que vous savez que le balara, la rhétorique en islam, la science de la rhétorique, se divise en trois disciplines. Il y a Ilm al-Ma'ani, ou il y a Ilm al-Badi'. Ilm al-Badi', c'est comment embellir la parole. Et Ilm al-Badi', il appelle ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ici, Tajnisul ishtiqaq. Ça veut dire rassembler deux mots qui ont le sens apparent différent, mais qui ont la même racine étymologique. Et donc on va aller chercher la racine, et on va trouver qu'ils vont converger dans un sens. Et ce sens-là, il faut le prendre et l'imprégner dans les deux mots. Donc c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salima avec le muslim, Hajara avec al-muhajir. Et ceci, on le trouve souvent dans le Coran. Par exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ الْقَيِّمِ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ الْقَيِّمِ. Dirige tout ton être vers la religion de droite. Donc vous voyez أَقِمْ قَيِّمْ أَقِمْ قَيِّمْ. Donc vous voyez les deux termes, ils ont la même origine. أَقِمْ وَجْهَكَ, ça veut dire dresse ou dirige ta personne ou ton visage. Le din al-qayyim, ça veut dire la religion droite.
Donc le sens commun entre les deux termes, c'est se dresser droit. Dresse-toi droit vers cette religion, la religion de droiture. D'accord ? Donc c'est exactement comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a utilisé ces termes. Le sens de Salima et le muslim converge donc vers, la, tout, vers Salama. L'islam, le muslim, Salama, qui veut dire la sécurité et la sûreté. Et pareil, le hijra, le muhajir, le hajara, le verbe hajara, converge vers l'éloignement. Parce que ça veut dire quoi le muhajir? L'immigration, ça veut dire il s'est éloigné d'un pays, de son pays où il résidait, ou son pays natal, vers un autre pays, s'éloigner. Ou hajara, ça veut dire il s'est éloigné des péchés, comme le prophète Asma l'a dit dans ce hadith. Il y a même une autre version de ce hadith, rapporté par le Hakim et authentifié d'ailleurs par le Hakim, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mu'minu man aminahu an-nas. Al-mu'minu man aminahu an-nas. Là aussi, il a utilisé tajnis ou l'ishtiqaq. Mu'min amina. Mu'min amina. Et le sens commun, c'est la confiance. Donc, un mu'min, c'est comme amin, doué de confiance. Aminahu an-nas, c'est-à-dire les gens sont en confiance devant lui. Et c'est pour cela qu'on l'appelle mu'min. Et c'est ce qui fait la beauté de la langue arabe, ces petites nuances-là, on ne les trouve pas dans beaucoup d'autres langues. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens, le musulman, c'est celui dont les gens sont en sécurité du mal causé par sa langue ou sa main. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la langue? Parce que la langue, c'est elle qui exprime ce qu'on pense. La langue, c'est elle qui exprime ce qu'on pense. Tant qu'on ne parle pas, on n'exprime pas ce qu'on pense. C'est pour cela qu'on dit « La yunsabu li samitin qawl ». On n'attribue pas à un silencieux une parole. Tant que tu es silencieux, on ne peut pas t'attribuer un avis ou une parole. « La yunsabu li samitin qawl ». Donc la langue, puisque c'est elle qui exprime ce que tu as à l'intérieur, donc là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelque part, il dit « Attention à la langue, ne fais pas du mal aux autres par la langue ». Et la main, elle symbolise l'acte. Dès qu'on veut parler d'un acte, c'est toujours la main qui le symbolise. Donc le prophète a cité ces deux-là, la langue, et donc la parole et l'acte. Et ça nous rappelle le début du titre qu'a donné l'imam al-Bukhari à la première rubrique. L'imanu qawlun wa amal. La foi, c'est une parole et un acte. Donc la parole revient à la langue et l'acte revient à la main, quelque part. Donc vous voyez pourquoi il y a eu le choix de ce hadith dans ce chapitre en particulièrement. Donc si la langue a été citée d'abord, avant la main, c'est parce que la langue commet énormément de dégâts. La langue commet énormément de dégâts et c'est plus facile de faire les dégâts par la langue que par la main. Et on fait plus de dégâts par la langue que par la main. Et c'est pour cela qu'il y a même des savants qui ont rédigé des livres et des chapitres, des grands chapitres, concernant les dégâts de la langue. « Afatul lisan ». Et parmi eux, et d'ailleurs c'est parmi les meilleurs livres écrits dans ce domaine-là, c'est celui de Abu Hamid Ghazali, rahimahullah. Et d'ailleurs on a fait une série à ce niveau-là, elle est publiée ces jours-ci, « Afat lisan, les dégâts de la langue » dans son grand livre « Ihya ulumtil ». Donc il a réservé à cela un grand chapitre à ce sujet. La langue, c'est l'organe régulateur des rapports humains. Donc elle peut casser les rapports humains, en une journée tu peux casser une relation qui était fraternelle pendant des années, ou même pas une longue journée, en une parole tu peux casser une vie familiale, ou séparer un homme d'une femme, ou faire de sorte que tes parents te détestent, ou que tu sortes même de l'islam avec une seule parole. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le régulateur des rapports humains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, la foi d'un serviteur n'acquiert la droiture que si son cœur est droit. Et le cœur ne peut acquérir la droiture que si la langue est droite. Donc la langue témoigne de la droiture du cœur. Et c'est par elle qu'on profère d'ailleurs énormément de péchés, comme la calomnie, la médisance, l'insulte, la diffamation, la rumeur, la vanité, la polémique, la vulgarité, la moquerie, la divulgation des secrets. Donc imaginez le nombre de péchés qu'on peut commettre par la langue. Donc ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité
comme un repère qui montre la bonne foi du musulman ou la mauvaise foi du musulman. Mu'ad radiallahu anhu a dit: ô messager d'Allah, serons-nous jugés pour tous nos paroles? C'était suite à un échange avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des conseils à Mu'ad ibn Jabal, et à un moment il lui a dit: amsik alayka hala. Il a pris la langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sorti sa langue, il l'a prise, et il lui a dit: retiens celle-ci, retiens cette langue, retiens celle-ci. Et Mu'ad s'exclama: awanu akhadu ala ma naqul ya Rasulallah, ô messager de Dieu, serons-nous jugés pour toutes nos paroles, et cela est-il inscrit contre nous? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a tapé sur l'épaule de Mu'ad et lui a dit: takilatka ummuka ya Mu'ad ibn Jabal wa hal yakubbu an-nas ala manakhirin fi an-nar fi nar jahannam illa hasadu alsinatihim. Que ta mère te perde, ô ibn Jabal. Ça c'est une expression arabe. Takilatka ummuka, c'est pas un du'a, c'est une expression. Donc que ta mère te perde, ô ibn Jabal, et qu'est-ce qui va renverser les gens sur leur face dans le feu de la Jahim, si ce n'est ce que leurs langues ont récolté. Ça veut dire que ce sont les dégâts de la langue qui vont faire rentrer le plus de personnes dans l'enfer. Ce sont les dégâts de leur langue. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit à ce propos: par Dieu, avec qui il n'y a d'autre divinité que lui, par Dieu qui il n'y a de divinité d'autre que lui, nul organe n'a besoin d'être emprisonné plus que la langue, qui est déjà enfermée derrière deux obstacles, les lèvres et les dents. Et Allah Azza wa Jal, il a déjà mis la langue dans deux prisons. Donc, il y a déjà les lèvres pour qu'elle rentre à l'intérieur, qu'elle ne sorte pas, et les dents. Et malgré cela, on la libère. Et c'est pour ça que certains disaient: ma langue, c'est comme un lion féroce. Lorsqu'elle sort, elle fait des dégâts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi à ce propos: celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux lèvres et ce qu'il y a entre ses deux jambes, je lui garantirai le paradis. Il dit, voilà, essayez d'assainir ce que vous dites par vos langues, et essayez d'observer de la chasteté, et je vous garantirai le paradis. Le bon musulman est celui qui retient sa main aussi, donc là c'est la langue, et ensuite celui qui retient sa main pour ne pas causer du mal injustement aux autres. Et la main est devenue à notre époque, comme vous le savez, un outil comme la langue, puisque avec les réseaux sociaux et tout, maintenant c'est le clavier. Donc le clavier est devenu quelque part la nouvelle langue des musulmans. Et parfois, parce qu'on est derrière un clavier, que celui qu'on a en face ne nous voit pas, ou bien il ne se rend pas compte, il ne se doute pas de notre identité, donc on peut parfois donner de la liberté à nos doigts et écrire des choses sur lesquelles on sera jugé devant Allah Azza wa Jal. Donc énormément de méfiance contre ça. Et lorsqu'on dit la main, le mal de la main, ça peut être tuer quelqu'un, frapper quelqu'un, voler avec la main, faire des transactions interdites. Donc la main peut causer, bien entendu, beaucoup de dégâts et beaucoup de péchés. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et l'immigrant c'est celui qui s'éloigne de ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. L'immigration vers Médine était quelque chose de louable à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran a incité les musulmans à accomplir le hijra de la Mecque à Médine, et ce pour deux raisons. La première raison, déjà, c'est pour sauver sa religiosité, pour pouvoir accomplir ses prières, son jeûne, et respecter les principes de l'islam d'une manière normale. Ça, c'est le premier but. Et le deuxième but, c'était pour renforcer la nouvelle communauté qui était en train de se construire, le nouveau État musulman qui était en train de se construire à Médine. Et c'est pour cela que ceux qui accomplissaient l'immigration, c'était un acte de bravoure et un acte méritoire et largement récompensé par Allah Azza wa Jal. Au point que l'immigration était, déjà chez nous, c'est de considérer le début du calendrier islamique, pour vous montrer son importance, c'est pas pour rien qu'on l'a choisi. Et même Allah Azza wa Jal dit: la yastawi man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Là, il a parlé de la conquête. Pourquoi? Parce que l'immigration a été accomplie par des gens qui ont délaissé leurs biens, qui ont délaissé. Donc ils l'ont fait pour Allah Azza wa Jal. Sauf si quelqu'un l'a fait pour le mariage, comme Muhajir Qais, et ça on a vu le hadith pour l'intention. Mais la majorité, ils avaient une intention noble.
Mais dès que l'islam a commencé à se propager, et les gens ont commencé à rentrer, dans beaucoup de tribus sont rentrées dans l'islam, mais ils ne sont pas installés à Médine. Ils revenaient chez eux, et l'islam a commencé à se propager dans différentes contrées de la péninsule arabique. Et la symbolique qui représentait cet élargissement de l'islam, c'était la conquête de la Mecque. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La hijrata ba'd al-fath ». Il n'y a plus d'émigration après la conquête de la Mecque. Il parlait de quoi ? De l'immigration dont parle Allah Azza wa Jalla dans le Coran, celle qui est méritoire, celle qui a distingué le muhajiron, parce qu'on parle le muhajiron, c'était un qualificatif qui avait toute sa... qui donnait de la valeur à celui qui l'avait, qui le portait. Et donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit « La hijrata ba'd al-fath ». Donc ceci, beaucoup ont regretté cela. De ceux qui n'ont pas pu émigrer, bah, on ne peut pas faire le hijra. C'est dommage. Et là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit « Al-muhajir », donc celui, les vrais immigrants, c'est aussi, donc c'est pas seulement celui qui émigre pour sauver sa peau, pour sauver sa religiosité, mais c'est celui aussi qui s'éloigne de tout ce que Allah Azza wa Jal a interdit. Donc ceci va rassurer ceux qui n'ont pas accompli l'immigration. Vous pouvez avoir la même récompense que les immigrants si vous faites vous-même une immigration dans votre intérieur. Il y a donc quelque part deux immigrations méritoires en islam. Une immigration apparente et une immigration secrète. L'apparente, c'est de fuir par son corps et s'éloigner par son corps d'un pays où on ne peut pas respecter les exigences de l'islam à 100%, où on est sous le coup de la terreur ou de la dictature, vers un pays où on a plus de sécurité. Et il y a l'immigration secrète, c'est celle de s'éloigner de la passion et de l'appel du démon et de l'appel de l'ego. Ensuite, et je termine par ça, sans trop tarder, c'est le 11e hadith, donc la rubrique 5, cité par Al-Bukhari. Donc dans ce hadith-là, Abu Moussa al-Ash'ari dit, on interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ayyul islami afdal ?» Alors si on traduit mot par mot, « Ô messager de Dieu, quel est le meilleur islam ?»« Ayyul islami afdal ?» Quel est le meilleur islam ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « C'est celui dont les musulmans sont en sécurité du mal, pouvant être causés par sa langue ou sa main. » Donc il a cité la même partie, première partie qu'il a citée dans l'autre hadith. Mais regardez la question, eux ils ont dit « Ayyul islami afdal ?» Quel est le meilleur islam ? Et lui, il a répondu par le meilleur musulman. Le bon musulman, le musulman, c'est celui qui a. Donc ça, c'est aussi une expression arabe. « Ayyul islami afdal », ça sous-entend quel est celui qui porte le meilleur islam. Ça. Parce qu'il n'y a qu'un seul islam. Lorsque tu dis « Quel est le meilleur islam ?» Parce que là, maintenant, c'est devenu à la mode, maintenant, de parler l'islam de France, l'islam de l'Algérie, l'islam de la Tunisie, l'islam de l'Asie, l'islam d'un tel, l'islam d'un tel. Et certains, justement, ils disent, mais c'est quoi? Il n'y a qu'un seul islam. C'est réel, ça, c'est subjectif. Lorsqu'on me dit l'islam d'un tel, ça veut dire qu'il a certaines caractéristiques. Ou c'est vrai, l'islam de France, c'est pas comme l'islam d'un autre pays. L'islam de France, parfois, on utilise certaines dérogations qu'on n'a pas le droit de te prendre dans un autre pays. Donc, on fait allusion plus à cela qu'à autre chose. Après, bon, il y a le côté politique de l'affaire, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais ici, lorsqu'ils lui ont dit « Ayyul islami afdal », lui, tout de suite, la réponse était « Ayyul muslimi la afdal ». La réponse était par rapport à quel est le meilleur musulman, et non pas le meilleur islam, parce qu'il n'y a qu'un seul islam. Donc, quelque part, il leur dit « Celui qui aura l'islam le plus complet, c'est celui dont les gens seront en sécurité du mal, pouvant être causé par sa langue ou causé par sa main. » Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce hadith-là, ces deux hadiths-là font référence à la langue, la parole, et font référence à l'acte. Et comme on a dit d'ailleurs depuis le début de ce chapitre-là, la foi, c'est un acte et une parole. Et encore une fois aussi, là vous voyez qu'il parle de l'islam, et l'imam al-Bukhari a ramené ces hadiths-là, alors qu'il les rapporte dans un chapitre qui parle de l'iman, ce qui prouve encore une fois que pour l'imam al-Bukhari, rahimahullah, ainsi que pour beaucoup de savants, l'islam et l'iman, c'est la même chose. L'islam et l'iman, c'est la même chose. Sauf lorsque on veut montrer une nuance dans des cas bien particuliers. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين
اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وفقنا اللهم لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.